Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. La mort vient de frapper encore le continent 237. Encore un jeune. Je ne sais pas si je vais l'appeler influenceur ou blogueur, mais je sais que c'était un web comédien. Pour ceux qui l'ont connu, il a tourné dans pas mal des séries, des web-séries bien répandues, bien qui ont fait vraiment le buzz. Le jeune au nom de Samy, je ne sais pas si certains de mes abonnés connaissent Samy, on l'appelait Samy le Noir. Donc, selon l'histoire, Samy serait parti à Kribi, n'est-ce pas, pour un tournage, le tournage pour la publicité d'une marque bien reconnue au Cameroun, pour une entreprise qui signe également des très gros contrats avec certains influenceurs au Cameroun. Donc, il était à Kribi, il a fait une semaine à Kribi, mais son contrat, il n'était pas comédien, il était photographe, donc tout se passait bien. Ceux qui ont parlé d'accident, on dirait que Samy était à bord de sa voiture avant de faire l'accident, non. Il serait en bordure de la route. On ne sait pas vraiment ce qu'il faisait en bordure de la route, mais une voiture est sortie de nulle part et l'a percuté. Et dans cette voiture, c'était une dame qui était dans la voiture. Malheureusement, la dame a pris fuite, selon l'information qui nous parvient. Maintenant, on a conduit notre jeune frère Samy dans un hôpital de la place, je crois bien ici à Yaoundé même. Samy a fait 4 jours aux urgences. 4 jours aux urgences. L'on nous informe que durant les 4 jours, la famille de Samy n'était pas informée, ce qui reste vraiment à vérifier. Et l'accident de Samy a été caché. Moi, je peux confirmer l'autre là parce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous on cafouille partout pour avoir des informations, pour avoir des news et tout. Mais personne n'a été au courant qu'un jeune Camerounais a fait l'accident. Personne n'a entendu parler. On a juste vu les publications, les photos inondées, les réseaux sociaux, la mort de Samy. C'est quand même bizarre. Hein? C'est quand même bizarre. Je ne sais pas si ça entre dans le cadre d'une dame qui nous racontait ici sur les réseaux sociaux qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui vont suivre et tout, qui vont tomber. Je ne sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que ça fait peur. Donc, c'est 4 jours après, ou bien c'est quand même Samy décède, que l'information qu'il a même fait l'accident est répandue. On se pose la question, pourquoi avoir caché son accident? Qu'est-ce qui s'est passé pendant son accident? Est-ce qu'il est mort réellement par cet accident? On n'en sait rien. Mais ceux qui sont mieux placés pour des enquêtes, ce qui est suivi dans les jours à venir, nous saurons véritablement ce qui s'est passé. Je pense qu'il est l'heure pour les jeunes Camerounais de faire vraiment la paix. Il est l'heure de faire vraiment la paix. Et que le départ de certains jeunes, vous voyez ce jeune homme, très beau, hein? C'est vrai qu'un homme ne juge pas la beauté d'un autre homme, mais bon, quand quelque chose est aussi bien, il faut apprécier. Mais vous avez compris, vous avez vu que la mort appartient à tout le monde. Même les beaux meurent. Tout le monde, même les riches. Et vraiment, je pense que la paix est mieux que la guerre. Moi, je pense que ceux qui font la guerre ou ceux qui passent autant à faire des menaces,
Il y a une seule personne au-dessus de nous qu'on appelle Dieu. Et on n'a pas la vie, on n'a pas ce souffle de vie parce qu'on est trop fort. C'est parce que ce n'est pas encore ton moment. Et aussi parce que Dieu, là, a un combat pour toi. Pour que tu restes en vie. C'est ce que beaucoup de personnes doivent comprendre. Et que le départ de ceux qui nous ont précédés, puisque c'est le passage de tous, ils s'avancent juste. Nous tous, nous allons passer par là, que ce soit tôt ou tard. Donc, je pense que nous devons faire la paix. Nous devons faire la paix. Quatrième personne. On va encore parler des routes, l'état des routes. On va encore parler de tout, parce que si vous êtes trop fort à stimuler que ceci, il y a eu ceci, il était, vous allez encore faire cet tapage, tout ce que vous connaissez dit là, après le départ de quelqu'un, vous allez encore dire quoi maintenant? Bref, nous sommes là, on vous regarde, on va vous entendre parler, parce que ça a même déjà pris tout Facebook. Oh, la cause de sa mort, c'est X, c'est Y, c'est ci, c'est ça. Comme vous êtes des éternels savants, nous on vous écoute, nous on vous observe. Mes sincères condoléances à la famille attristée, à toute la famille de Samy. Samy, que ton âme repose en paix. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.